Boulou boulou. Tu veux pas une pomme? Vous voulez pas une pomme? C'est bon? C'est bon les pommes? Une pomme, ça va vous faire chier mou, mais... Ouais, et cours. Eh, calmez-vous là. Je sais que vous aimez bien les pommes là, mais... Quelle petite vache qui se défonce la gueule. Elle est trop belle les vaches. Attends, je vous ai donné les pommes là. Il y a plein de pommes partout, regarde. Je prends ces pommes là. Oula. Je prends cette pomme. Doudoudou. Ah la vache. C'est ouf. Juste là. Voilà, les vaches aiment les pommes. T'es plein de mouches sur la gueule quand même. Allez. Je vais me faire tirer dessus, tu vas voir. Il y a un truc de ouf. J'entends des bruits dans la forêt. Je sens que le coup de fusil va arriver vite. Attention les gens, je suis un être humain, ne me tirez pas dessus. Bon, ça va, j'ai pas une gueule de sanglier quand même. Bon, salut, bienvenue sur Riden Pass. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forêt. Je suis en mode exploration forestière. Ce qui me fait un peu peur, c'est que la chasse est ouverte. Donc, à peine je suis sorti, j'ai déjà entendu 3 coups de fusil, au moins 2 chiens qui ont commencé à aboyer. Je me dis, sois clairvoyant, parce qu'une cartouche est vite arrivée. En tout cas, bienvenue. Alors, comme je disais, nous sommes... Ça va. Nous sommes J moins... non. Ah bon, on va calculer J plus... 100 plus 14... J plus 114 jours après la création de Riden Pass. Je vais essayer de faire un petit bilan de ce qu'on a fait durant ces 5 mois d'exploitation sur cette nouvelle chaîne. Essayer de voir qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. En tout cas pour ma part, là je parle comme un nom, conon de ride, tu vois bien sûr. Mais on va essayer de voir comment on se goupille tout ça. Et puis voilà, tranquille. Alors je vais vite vous parler de ce point déjà. Nous sommes ici... au point, j'essaie de pas me casser la gueule aussi, tu vois, donc nous sommes ici au point vélo, parce que quand on était petit avec mon frère, on appelait ça point vélo, parce que le vélo s'est cassé la gueule, mais à l'époque, tu avais ce vélo là, là, ce truc ici, cette tige de métal, qui est en fait un vélo qui doit avoir au moins 250 ans, était accroché en haut, là, ici, à ce truc là. Donc on appelait ça le point vélo, parce que tout simplement, bah, c'était un vélo qui était ici. Donc, revenons à nos moutons. Riden Pass, où est-ce qu'on en est? Alors, pour cela, il faudrait savoir où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce qui nous ressemble? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Alors, pour ma part, ce que j'ai fait depuis 5 mois me plaît beaucoup. J'ai découvert depuis post-brogaming, bien entendu, brogaming qui était une expérience pendant un an que j'ai kiffé sa mère, mais qui, au bout d'un moment, si on arrêtait, c'est parce qu'on trouvait qu'on s'y retrouvait plus dedans. Ça demandait beaucoup d'énergie, et en fait, c'était fatigant. Je veux dire que, bah, comme quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, c'était ça. Donc, excusez-moi, je viens de bouffer, donc à partir de là, j'ai encore le biplane, c'est ma marche digestive que je suis en train de faire, bordel. Et donc, quand on s'est lancé sur Riden Pass, on s'est dit, on va essayer de faire des choses qui nous ressemblent plus, qui nous fait plaisir. Et entre autres, pour ma part, c'était de m'attaquer à des VOD, en fait, à des vidéos de contenu, où en fait, une sorte de fenêtre d'expression plus claire qu'un live. Un live, c'est 4 heures d'expression, qui fait que la transmission d'une idée est plus complexe, en tout cas. Donc en fait, on s'est toujours dit, faisons des produits qui nous ressemblent, en fait, tu vois. Et à Riden Pass, je kiffe toujours autant. Donc pour l'instant, on est encore petit, on est là à l'heure où je vous parle, ou en tout cas à l'heure où on était quand je suis parti à la Salvetta, enfin chez mes parents, on était 137. Sur la chaîne, ça serait bien qu'on augmente. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voyez cette chaîne, à la partager, la vidéo et la chaîne, pour qu'on soit plus nombreux. Et donc voilà, donc dans l'objectif,
Je vais continuer à essayer de faire ce que j'ai commencé à faire depuis un certain temps, c'est-à-dire faire des reviews. Enfin, c'est pas des reviews, c'est exprimer des points de vue sur de l'audiovisuel pour ma part, parce que j'ai fait des études de cinéma, donc à partir de là, j'aime bien parler de cinéma. Alors, c'est pas des critiques approfondies, c'est principalement des ressentis. Donc, j'essaye de donner des points positifs à chaque fois, j'essaye de ne pas être négatif. Moi, là, en ce moment, depuis un certain temps, avec quelques années, le négatif, la négativité, c'est des choses qui me cassent littéralement les couilles. Sur les LCR, c'est mes coups de cœur en quelque sorte, c'est un peu principalement ça en fait. Ça j'aime bien faire ces trucs là, donc je pense que ça va continuer, je vais essayer d'en le faire régulièrement aussi, ça va me forcer à regarder les choses et tout ça. Je vais aussi sur cette chaîne là continuer, j'ai commencé à le faire et je pense que je vais essayer de perpétuer ça, c'est de faire des lives aussi. Faire des lives sur ma chaîne Twitch et sur Reel & Pass en conjoint, c'est-à-dire que faire des doubles streams quoi. Je voudrais tester des jeux PC aussi, style du Crusader King ou des trucs comme ça, des jeux qui me font vraiment plaisir. Parce que j'aime beaucoup Fortnite, mais sur Switch, Fortnite, il est méga buggé, il y a des bugs dans tous les sens et c'est plutôt frustrant. Continue à faire tout ça, continue à faire les lives avec Pass parce que c'est fondamental. Jouer avec son pote, c'est toujours cool. Et puis voilà, ensuite après, je voudrais bien aussi mettre en place de nouveaux projets. Pas de nouveaux projets, enfin si, de nouveaux projets, mais des nouvelles façons d'aborder la VOD. Alors, je voudrais bien faire des critiques de films, mais plus d'actu quand même, c'est-à-dire au moins des films qui sont d'actualité. Je sais que là, le 10 octobre, t'as Venom qui sort, donc je voudrais bien aller le voir. Toujours faire en sorte que ça soit le plus naturel, spontané. C'est con, je vais dire, en même temps c'est bien que ça soit écrit, mais le moins écrit possible pour que ça soit le plus naturel, le plus vrai possible, même si de temps en temps ça fait des erreurs et peut-être un peu certaines redondances de propos. Essayer d'être dans un format qui est d'actualité, qui soit pas que sur des trucs que j'aime bien, ça par contre. Je voudrais bien essayer de tester ça quand même. Mais voilà, alors j'éviterai quand même les films de merde, hein, c'est-à-dire que j'irai voir que des films qui me paraissent être des films qui peuvent me plaire. Alors de temps en temps, ça peut ne pas me plaire, hein, il y a plein de projets qui... je vais dedans et je pense que ça va me plaire et ça va pas me plaire et ça me plaît pas. Essayer de faire d'autres trucs, des sujets de discussion aussi. Alors ça peut être des sujets de discussion, peut être plus construits pour éviter que ça soit fouillis, mais des sujets thématiques sur des sujets de vie par exemple. Tu vois. Alors un truc qui serait intéressant, c'est si vous avez des idées thématiques de vie, des sujets qui vous interpellent ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça peut aussi peut-être m'intéresser et peut-être me dire tiens, j'ai parlé de ce sujet-là, faire des sujets plus d'actualité, des trucs qui vous touchent vous aussi, mais qui me touchent moi aussi, parce que je suis quelqu'un, à la base, j'aime bien parler. Et voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Passepartout, on s'entend bien, c'est-à-dire qu'on est deux gros parleurs, hein. On aime bien parler beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets, à le mettre dans les commentaires, des thématiques sur du cinéma, sur des jeux vidéo, sur des faits de société, sur des trucs dans vos vies qui vous cassent les couilles. N'importe quoi, un truc qui peut vous intéresser, des sujets philosophiques, mais un peu dans cette dynamique-là, je sais pas si le vent va faire chier. Voilà la direction que je voudrais bien prendre. J'ai découvert, avec Read and Pass, la vie sur YouTube, cette vie dans cette jungle qu'est YouTube, hein, un peu comme celle-ci, comme vous pouvez voir, hein, à peu près. Une grande forêt compliquée avec des pentes, avec des ravins, avec des arbres. C'est un milieu qui est particulièrement difficile. Et en fait, je croyais que c'était difficile au final. C'est difficile quand tu essaies de l'aborder de façon frontale. Et en fait, j'ai découvert que non, c'est plaisant aussi si tu peux te laisser flâner dessus. T'en fous, dire que voilà, j'ai testé le stream sur Twitch tout seul aussi, j'ai testé avec Pass, j'ai testé à faire des VOD aussi de mon côté, essayer de trouver des thématiques, essayer de faire en sorte que, essayer de varier, mettre un peu de construction, faire des introductions et tout ça. J'aime bien ça, c'est des trucs qui peuvent se faire sans pression sur la longueur. Alors je sais que le stream, la vidéo sur YouTube, je vais continuer et je m'arrêterai pas, tu vois. Je sais que je continuerai pendant 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, même si on rencontre jamais le succès, hein, comme on pourrait dire. Bah, et je m'en bats les couilles d'ailleurs. Et c'est juste parce que je trouve que, personnellement parlant, t'as un côté très psy, un peu cathartique en fait, tu vois. C'est-à-dire où ça te permet
d'expulser certains problèmes que tu as intérieurs, tu sais. Alors, c'est une sorte de thérapie, un peu, tu vois. Donc, je l'aborde un peu de cette façon-là. J'essaye de pas trop focaliser sur l'avenir. Je vais essayer de continuer à faire des trucs qui me font plaisir, qui me touchent, qui me font kiffer. Essayer de faire en sorte que... Je veux dire performer, c'est pas le bon terme. Mais tu sais, habituellement, je fais du montage depuis que j'ai 14 ans. Et à chaque fois, il y a des sujets, des thématiques, tu dis, tiens, je vais essayer de le faire pour essayer de comprendre les mécaniques et d'essayer de les intégrer, en fait. Tu vois. Et là, ça serait pareil. Je voudrais bien arriver à faire en sorte que la VOD soit intégrée chez moi, mécaniquement, et que j'arrive à le faire et que ça soit un objet naturel. C'est-à-dire que ça soit quasiment un réflexe, tu vois. Parce que je trouve que quand tu as quelque chose qui atteint le domaine du réflexe, c'est là où tu peux être le plus naturel, parce qu'en fait, tu n'as plus à te soucier de la manutention, hein, c'est-à-dire du fait de devoir la mettre en œuvre, puisque comme c'est un réflexe, tu le fais naturellement, tu t'en bats les couilles, tu sors la caméra, tu filmes, tu fais pas attention. Et donc à partir de là, tu peux te focaliser sur le ressenti, le propos et tout ce que tu veux. Donc je voudrais bien focaliser un peu sur ça, essayer de me dire, allez, on va essayer d'être nous-mêmes le plus possible. Donc là, ça fait 5 mois qu'on teste ça, 5 mois que je kiffe faire ça. On a testé des vlogs, c'était cool. J'aime beaucoup ces formats de vlogs. Maintenant, il manque plus qu'à nous d'essayer de se sortir les doigts du cul pour faire des trucs un peu différents. Des vlogs, ils vont se faire, tu vois. Ils vont se faire, non, naturellement. Après, je voudrais bien voyager, voir des trucs, tester des nouvelles choses, sortir de Montpellier, parce que Montpellier me pète littéralement le cul. Ça fait 12 ans que j'y suis. Ça fait 12 ans que je tourne en rond et là j'en peux vraiment plus. Pour ça je vous monte chez mes parents régulièrement. Je suis monté 2 fois là chez mes parents en moins d'un mois, quoi, quasiment. En un mois. Donc essayer de faire des trucs nouvelles. Je vais essayer de faire des vidéos un peu. Je voudrais bien faire des trips cons de bouffe, par exemple, tu vois. Un peu à l'arrache, tu sais. Faire des recettes faciles, abordées, sauvages, un peu des tutos bouffe à l'arrache, tu vois. T'en bats les couilles, tu prends deux tranches de pain et tu fais un croque-monsieur, tu vois. Des trucs dans ce type-là. Donc, je vais essayer de faire tout ça, focaliser sur ça, essayer de trouver des moyens de s'épanouir autrement que par le stream, parce que le stream, c'est cool, mais on fait rapidement le tour. Je veux dire, pas rapidement le tour, il faut pas le voir après comme un truc qu'on laisse en an. Mais c'est-à-dire que quand tu fais régulièrement des lives à jouer à un jeu, c'est cool, mais au bout d'un moment, le jeu, Overwatch, par exemple, je kiffe ce jeu, c'est mon meilleur jeu, mais putain, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Je veux dire, moi, ça m'épuise un peu le moral. C'est pour ça que j'aime bien R6. Mais R6, ben, les gens de notre chaîne, vous entre autres, ben, vous en battez les couilles de R6, tu vois. Donc c'est un juste milieu, tu vois. À essayer de trouver un truc qui nous épanouisse, nous, avec Passepartout et moi, qui nous épanouisse aussi personnellement. Ce serait que je m'épanouisse aussi avec des trucs à moi et que Passepartout s'épanouisse aussi avec des trucs à lui. Et en même temps que ceux qui nous épanouissent puissent aussi vous intéresser, puissent aussi vous permettre de passer soit un bon moment, soit de rigoler, soit de découvrir certains trucs, ou alors un truc qui puisse être un plus aussi pour vous, quoi. Si c'est un plus pour nous, il faut que ce soit aussi un plus pour vous. Et c'est juste ça. Donc voilà, donc je pense que on a de quoi voir encore pour les prochains mois. Alors je sais que là je suis en train de travailler sur un vlog qu'on a fait sur le Festoche. Alors j'ai pas pu le faire ici parce que quand je suis allé chez mes parents, c'est un peu la merde, puisque niveau activité, je suis un peu chargé, je dois couper du bois, je dois aider ma mère, je dois aider mon père, donc parce qu'ils vivent à la campagne maintenant et mon père il commence à être un peu fatigué pour porter des trucs lourds, donc je suis obligé de le faire. Donc j'ai pas trop le temps de faire du montage. Donc je sais que là j'ai le vlog qu'on a fait au Fest Hip Hop qui est du week-end dernier, du 7-8, il va falloir que je le sorte, donc je vais essayer de le sortir rapidement. Je pense que ce sera dans la semaine là. Et puis voilà, en tout cas, ces 5 mois étaient cool, j'ai bien kiffé, alors j'espère que cette chaîne vous plaît aussi. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à venir régulièrement sur la chaîne, à nous soutenir. Quand je dis soutenir, c'est nous soutenir par des pouces bleus, ou nous soutenir par des commentaires, ou nous soutenir par des partages de chaînes, partages de vidéos. Essayez de faire en sorte qu'on se spread le plus possible, qu'on aille le plus loin possible avec cette chaîne-là, parce que pour ma part, Read & Pass est une chaîne que je kiffe beaucoup, qui m'épanouit bien. Alors, Bro Gaming n'est toujours pas mort, ça fait longtemps qu'on a vraiment rien fait dessus, mais on reviendra dessus au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas. Sur YouTube, jamais rien n'est mort, hein. On peut toujours revenir sur les choses. C'est ça que j'aime bien avec YouTube, c'est que les choses ne s'arrêtent pas. On va continuer à essayer de faire des trucs encore plus fat, hein, essayer de faire des vlogs bouffe,
faire des vlogs événements, faire des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à nous balancer des idées aussi, comme ça c'est toujours cool, ça nous fera toujours plaisir. Je trouve ça plus intéressant qu'une FAQ, parce que pour l'instant une FAQ, on est encore tout petit, on n'a aucun intérêt. Je veux dire que là on est 137, j'imagine bien que les 137, vous commencez un peu à nous connaître et connaître nos réflexes et nos façons de penser, donc et connaître un peu nos passifs, d'où on vient. Donc je trouve ça un peu, il y a un peu d'intérêt là-dedans, même si j'ai le contenu, on l'a filmé pendant 2 heures une FAQ, mais voilà, je me sens moins à l'aise à monter ça que monter d'autres sujets, tu vois. Donc en tout cas, j'espère que cette chaîne vous plaît toujours, qui vous intéresse toujours. N'hésitez pas à faire le bonjour, à passer, dire n'importe quoi, à la partager. On continue l'aventure ensemble. Moi, je vous dis à plus. Je rentre dans 3 ou 4 jours à Montpellier. On va se refaire un petit live. On se voit lundi, j'imagine. Alors, lundi 17, normalement. Donc, c'est peut-être le jour où vous verrez cette vidéo-là. J'essaierai peut-être de sortir cette vidéo-là lundi matin, peut-être. Et donc, voilà. En tout cas, les gars, je vous dis à plus. C'était Ridvo pour Read and Pass. On se dit à la prochaine. Je vous kiffe, les gars. En tout cas, à plus. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis, à la prochaine. Oh là, j'ai pas réussi à appuyer sur le bouton.